Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Nous avons tiré à Moscadi. C'est une localité, du moins son section communale dans la commune tout le monde. Je suis venu visiter le terrain ça pour être capable de construire un centre de place pour dire nous, c'est sous demande du président. Mais là, il y a environ 10 hectares de terre là et puis on a construit un centre de place pour le plateau central. En fait, je suis venu visiter le terrain avant de lancer l'appel d'offres là. Parce qu'il y a un appel d'offres qui va le lancer pour construire ce centre là. Nous avons visité 4 centres déjà. Nous avons ça qui m'a offert, nous avons ça qui font des nègres là, nous avons ça qui. Et au Kaila, et puis nous voyons ça dans le nord-ouest que le président a inauguré tout récemment. Le centre ça a gagné une capacité de 4 500 000 plantules chaque année. Et on s'en dit à mon place, c'est une gros pépinière, son méga pépinière qui là, qui pour produit plantules pour reboiser le pays. Tout le monde connaît que le président a accompagné très prochainement, m'a pu retourner ici avec le président la semaine prochaine parce que il y a un monde qui a gagné. Il y a un gros jardin dans la zone, là, la vie encadrée. Et nous avons gagné tous des projets de gestion des eaux usées que le président dit. C'est des promesses que l'on a fait dans la campagne. Il a toujours venu pour faire ça tout. Ensuite, il y a un tribunal de paix qui a inauguré dernièrement là, et centre administratif là. Sans compter l'autre projet gagné, qui mini-projet gagné, c'est l'autre grand projet que le président a gagné pour le plateau central. Souci gouvernement gagné. Pour contrat exécuté, pour dépenser l'argent l'État, pour faire investissement, son souci légitime. Je ne sais pas qui est ce qui est président, qui est ce qui est premier ministre, parce que moi-même, je suis avocat, je suis professeur de l'école moyenne, je ne vais pas dépendre de personne, sinon de la loi et de la science. En Haïti, on mépris pour la science. C'est ça qui fait nous pauvres comme ça. C'est ça qui fait nous dans l'État, nous y a. Nous pressés, nous ne pas voulons chercher à comprendre, nous préférons énerver, nous pressés fâchés, frapper pied, au lieu de nous garder comment pour nous sortir dans un bagage qui est difficile. Et l'État a une incapacité pour dépenser l'argent. Et ce n'est pas que je dis à le dater avec le gouvernement ça. Son bagage qui est chronique. Sous Préval, je me rappelle, je suis dans Master 2 en France, je suis un étranger d'origine belge qui est dans Master 1, je suis venu en Haïti comme expert, il était passé maintenant, il était expert, les autres là quand même. Même des devants dans l'école là. Dans Aix-en-Provence, dans le côté de faire master à l'étranger. Et puis, nous avons un français d'origine belge, je te voyais dans la finance, parce que nous n'avons pas de cas dépenser, je te voyais comme expert pour le venir par conseil pour t'aider à nous dépenser. Donc, son bail est chronique. C'est normal pour l'État chercher à améliorer le mécanisme de dépenses pour chercher l'efficacité des dépenses publiques pour avoir les meilleurs résultats. Et comme nous disons, l'État n'a pas qu'à dépenser comme bail est mis à la disposition. Son bail est chronique et qui existe. Démarche pour le gouvernement joue un mécanisme. Pratique, opérationnel, fonctionnel, pour le cas de dépenser ressources, pour le cas de produire biens et services, pour le cas de permettre à la population de faire un service là, il est légitime. Mais maintenant, est-ce que c'est mettre Rachid dans le coup de compte qui a bon résultat ça? Moi, je vous garantis que ce n'est pas vrai. Ou de mettre pas quitter même gens, ou de mettre démonter même gens sur le coup de compte, sous pas améliorer les gens qui sont dans le ministère même. Qui est responsable technicien qui est là pour faire, qui pour produire administratif. Et par contre, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de marché, il n'y a pas vrai. Parce que moi, je contrat, c'est suspendre la faire orgueil. Je suis contrat qui est dans le coup de compte. Coup de compte dit, contrat vient en anglais, en espagnol. La constitution a dit qu'il y a deux langues. Documents en anglais et en espagnol. Il n'y a pas de droit ni en anglais ni en espagnol. C'est deux langues nous gagnons. C'est créole, c'est français. Comme administration, c'est plus français l'habitude. Il faut demander à l'étranger, étranger, à société, à cap voyer documents, c'est faut le traduire en français et son traduction standard pour lier selon la loi. Donc là, il arrive comme ça, où est-ce que nous avons tout pas dire, il n'a pas même fait excuse pour le dire, nous reconnaître vrai, contre atteindre un document en anglais vrai. Mais comment vous ne pouvez pas faire approuver un document en anglais, si c'est ça? Ça veut dire que pendant la prépouche coup de compte, là, dit, la Bible dit qu'il faut retirer le bout de bois dans les yeux là avant de ça dans les yeux voisins. Hein. Donc, coup de compte, nous ne pouvons pas dire coup de compte c'est sain, tout le monde compétent, coup de compte c'est compétent, c'est exécutif là. Non, c'est les deux côtés qu'il faut améliorer. Et ça, c'est dans le dialogue, dans chita ensemble, dans même souci patriotique pour nous servir le pays, pour nous faire. Maintenant, on a des décrets à Audi à Sony, parce que moi, nous démarchons exécutif là pour le cas de pension. Bon, est-ce que c'est racheté d'un coup de compte qui a un bon résultat? C'est pas vrai? Et on a des saldis.
pour qu'on comprenne la loi, m'a tout dit monsieur qui dans radio Guinée, vous pas qu'être juriste dans radio Guinée, même caméraman qui moi c'est étudiant dans droit et pour étudiant qui attendait tout le monde pour attendre qui ça. L'on besoin comprendre la loi c'est dans considérant ou aller, pas considérant défini objectif loi. Qui ça considérant dit et décret ça qui fait publier, il gagne 1 2 3 4 considérant. Ça premier a dit considérant que toute lenteur injustifiée dans le processus de passation du de contrat, accord et convention à caractère financier ou commercial auquel l'État est parti est préjudiciable au développement socio-économique du pays et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Considérant qu'il est nécessaire de rendre plus rapide, plus efficace et plus transparent le processus de passation des contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auquel l'État est parti, considérant qu'à cet effet, il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne un avis consultatif sollicité, et sur les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur les projets de contrat, accords et conventions à caractère financier ou commercial auquel l'État est parti, et de modifier, il convient de modifier certaines dispositions du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, enfin considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant, qu'il y a alors lieu de, pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d'intérêt public. Article 1er du décret. Ce décret, pas un peu l'article, il y a 7 articles. L'article 1er, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrat, accords, conventions à caractère financier ou commercial auquel l'État est parti. Jusqu'à présent, ça n'a pas de mal là-dedans, j'ai le prédit. On parle tant des dangers, on parle tant des côtés de la gaïa. Deuxièmement, dans le même article là, deuxième alinéa, en toute matière, l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est facultatif, est consultatif. C'est ça, ça vient changer, disposition à changer constitution carrément. Décret à changer constitution, il n'y a pas ça le dit. En toute matière, l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultatif. Ça veut dire que, mais l'homme a un avis, si l'avis n'est pas correct, si monsieur, madame, bon, si vous êtes au management et institution radio de Guinée estime que l'avis met Pierre Louis, il est en délai, mais il n'est pas conforme à ça. Il n'y a pas de la considération, il n'y a pas de bien sûr, mais c'est ça que les consultations. Mais ce n'est pas ça le coup des comptes. Ou le coup des comptes comme institution, maintenant, regarde, il y a un seul qui peut aller jouer. L'avis avis a priori, c'est pour permettre, c'est pas mauvais résultat, vous avez une. Non, c'est pas peine, il y a besoin qui est important. Il y a besoin de soit faire pour le faire bien. Tous ces serviteurs de l'État, président des serviteurs de l'État, premier ministre des serviteurs de l'État, ministre des serviteurs de l'État, cour des comptes et juge conseiller cour des comptes des serviteurs de l'État. C'est pas mauvais résultat, il y a besoin de la peine. Il y a besoin de la passer bien. Ça n'est que l'efficacité des dépenses publiques là. C'est l'important. Donc, peut-être ça, une collaboration pour faire a priori entre institutions pour voir est-ce qu'ils sont engagés dans la bonne voie. Si est-ce que la machine n'a pas de frein, est-ce qu'elle vient bien roulé, est-ce que le caoutchouc arrive côté nous aller là. Mais ce n'est pas les accidents pour nous compter mort, et puis c'est là ça a besoin de chirurgiens, médecins pour venir. C'est pas ça. Le travail que nous avons démarré là entre l'INFT et le CNC, c'est un travail extrêmement important qui pourra être utile à PIA et à un secteur qui. Et jusqu'à présent, traiter un parent pauvre dans la société pas moi. C'est un constat. Et tout le monde est capable de comprendre que il y a des gens qui ont un ensemble de compétences en société, qui ont un paquet de capacités. Pourtant, ils n'ont pas jamais une opportunité vraiment pour mettre capacité ça et bien en valeur réellement vraie. Yo pas jamais une chance yo, pour que vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages et privilèges que pays, que société a capable offrir yo, parce que eh bien il y a des bagages qui manquent yo. Si nous prenons exemple des artisans qui gagnent des compétences dans un domaine quelconque dans la société hein, et puis moun sa bagage toute capacité qu'il gagne. Il se trouve que il n'a pas gagné accès à crédit. Il n'a pas gagné un diplôme, un certificat qui dit que les valeurs qu'il gagne. Il n'a pas gagné aucune
possibilité. Pas de rien qui offre pour lui pour permettre que et bien, société a fait des ouvertures qui capable d'aider lui. Je dis, dans le cadre de la nouvelle loi que l'INFP doté de lui, je dis, eh bien, nous avons une possibilité pour nous capable faire ça que nous voulons. Eh bien, le processus de validation des acquis de l'expérience. Protocole d'accord, ça, il implique INFP CNC pour nous faire deux bagailles, pour ne pas répéter le directeur général INFPA. Un, c'est prendre mon nom dans le niveau, il y a un certificat que mon métier est capable d'exercer. Il va entrer dans la formation continue dans ce qui concerne INFP, nous-mêmes CNC, qui ça nous pour nous faire, c'est regrouper artisans ensemble pour nous former coopérative. Ou bien deux difficultés avec situation artisan, il n'y a pas un statut juridique, il n'y a pas de patente, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de traité ni à organisme d'État ni à organisme international. Donc, là, nous faisons formation pour beaucoup d'artisans, de travailleurs, de gens qui ont des métiers dans la zone côté. Nous allons former des coopératives. Et coopératives, nous avons fait formation pour eux avant l'Assemblée générale. Après, vous finissez former coopérative, nous allons faire une deuxième série de formation pour dirigeants, parce que vous allez un conseil d'administration, comité de surveillance, et vous allez choisir un gérant qui pour administrer, gérer, diriger coopérative. Et en cas de ça, CNC prend le bail pour faciliter artisans qui ont accès à crédit. Deuxièmement, pour vous faire une meilleure gestion de l'entreprise, parce que vous artisans qui ont shop, la travail pour toute année à son entreprise, mais les limités en termes de capacité administrative, le fait que CNC pour l'accompagner ou pour mettre les coopératives à recevoir, donc administration, et ça va une valeur ajoutée, nous allons créer richesse, pour avoir un emploi direct et indirect, donc en un mot, nous allons participer dans le développement pays. Il faut que nous comprenions aujourd'hui, hein, institution l'État, nous devons mettre tête ensemble, suivant attribution et suivant cadre légal qui existait pour yo bay plus résultats possible. Et c'est dans l'esprit ça, INFP et CNC a signé aujourd'hui un protocole d'accord pour que nous rencontrions les artisans côté dans le département, dans la commune, dans la section communale sur place pour nous un valider acquis expérience pour nous certifier et deuxièmement grouper en coopérative bay un encadrement pour nous faire bonne gestion et pour nous joindre accès à crédit qui va permettre que l'entreprise soit capable de développer. C'est une bonne chose que INFP et CNC mettent ensemble, ils signent un protocole d'accord pour aller à l'encontre des travailleurs. Au lieu de ces paysans qui sont dans la section en dehors, qui viennent Port-au-Prince pour venir joindre CNC, pour venir joindre INFP, dans quatre protocoles d'accord, c'est nous qui allons joindre sur place côté dans la commune, dans la section, pour encadrer et faire que vous êtes capable de faire business. Il y a un facteur qui est important pour souligner pour nous, c'est la subvention. Il est difficile, je veux dire, pour une association, planteur, agriculteur ou bien forgeron, artisan, de jouer une assistance dans l'État. Il est difficile. Mais là, vous mettez tête ensemble, vous formez une coopérative, vous faites business, c'est plus facile pour que vous ayez un bon résultat. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable de dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous, son babi zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.